Bonsoir, la saisie matinale est effective, cette fois des meubles et des objets d'art de Bernard Tapie. Le feu vert du bureau du Sénat à une demande d'autorisation d'arrestation de Maurice Arex. La mise en examen pour empoisonnement du docteur Garetta. L'annonce d'une visite d'Edouard Balladur à Goma. La disparition de 9 alpinistes dans le massif du Mont Blanc. Et l'ouverture du championnat de France de football. Voilà les titres de ce jeudi 28 juillet avec, pour commencer, un nouveau réveil matinal et désagréable pour Bernard Tapie pour la troisième fois en quelques semaines. Le député des Bouches-du-Rhône a reçu en son hôtel particulier parisien la visite d'hommes qui ne l'avaient pas invité. Cette fois, c'était des déménageurs envoyés par le Crédit Lyonnais pour emporter ses meubles en présence d'un huissier, d'un commissaire de police et d'un commissaire-priseur. Christophe Tortora et Bernard Connor étaient sur place. Une statue bien emballée et des miroirs, les derniers objets à être embarqués, sont trop imposants pour l'être à l'abri des regards. Le camion de déménagement ne passe pas sous le porche de l'hôtel particulier de Bernard Tapie. Il est 17h, les transporteurs viennent de terminer une journée qu'ils ont débutée tôt ce matin. À 8h, Bernard Tapie a de nouveau eu un réveil difficile. L'homme d'affaires a cette fois été sorti du lit par une douzaine de déménageurs, deux commissaires-priseurs, un huissier, un commissaire de police. Le Crédit Lyonnais leur a demandé de venir saisir les biens du député. Les meubles, les tapis, les tableaux et tous les objets de valeur sont emballés avec soin et embarqués. Selon la loi, seul ce qui est strictement nécessaire à la vie courante doit être laissé. Bernard Tapie doit 1,2 milliard de francs à la banque. Pour le Crédit Lyonnais, la saisie conservatoire du 21 mai dernier est aujourd'hui exécutoire, un délai de 30 jours s'étant écoulé. La banque prépare donc un catalogue pour une future mise en vente. Le député assiste, paraît-il, de fort mauvaise humeur au départ de ses meubles. Son patrimoine mobilier est estimé à 300 millions de francs. Les camions, une fois remplis, prennent la direction de la porte d'Aubervilliers. Ils sont vite déchargés dans un garde-meuble privé avant de revenir sur place. Le va-et-vient a duré 8 heures. Une trentaine de camions au total ont été nécessaires. Bernard Tapie parle au téléphone d'actes illégaux effectués avec des arrière-pensées politiques. Il est clair que depuis déjà un certain temps, le Crédit Lyonnais et lui ne partagent plus vraiment les mêmes valeurs. Précisément, cette nouvelle péripétie révèle la dégradation des relations entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Elles sont passées en quelques mois à peine de la lune de miel au divorce remarqué, Pascal Golomer. Ce déménagement très particulier, c'est en fait le dénouement spectaculaire, mais logique, d'une procédure engagée il y a 2 mois. Le 20 mai dernier, le Crédit Lyonnais ordonne la saisie conservatoire, c'est-à-dire l'inventaire minutieux, de l'ensemble des meubles, tableaux et objets d'art appartenant à Bernard Tapie. Tapie qui avait d'ailleurs tenté d'en dissimuler une partie dans cet entrepôt. Qu'on se le dise, plus question pour la banque de faire des cadeaux. Elle dénonce alors l'accord de rééchelonnement des dettes signé en mars dernier. Et 5 jours plus tard, elle adresse à Tapie un commandement à payer la partie de ses dettes immédiatement exigible, soit 450 millions de francs sur un total d'1,2 milliard. 8 jours plus tard, Tapie n'a rien payé, la saisie des meubles était donc devenue possible. Mais le député a assigné le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance, parce qu'il estime que le fameux accord du mois de mars est toujours valable. Une assignation qui, selon lui, interdit toute saisie avant l'audience fixée en octobre. La banque estime qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle qui, entre-temps, a gelé à son profit tout ce qui pouvait l'être. Le 26 mai, c'est l'hôtel particulier rue des Saints-Pères. Le 27 mai, le Lyonnais bloque la trésorerie de Bernard Tapie Finance, soit 100 millions de francs de cash. Le 2 juin, c'est le Focéa qui fait à son tour l'objet d'une saisie conservatoire. Bref, aujourd'hui, Bernard Tapie ne peut pratiquement plus rien céder sans l'accord de sa banque, à moins d'un nouveau rebondissement dans ce feuilleton juridique. Le juge d'instruction Thierry Roland a désormais le droit d'ordonner l'arrestation du sénateur Maurice Arex, ancien président du Conseil général du Var. Mis en cause dans une affaire de corruption, le magistrat avait demandé l'autorisation au bureau du Sénat, la loi l'y obligeait. Le bureau du Palais du Luxembourg s'est réuni ce matin sous la présidence de René Monory et a dit oui à Thierry Roland. Thierry Curtet. Dans son bureau du Sénat, Maurice Arex attend la décision de ses pairs. Il a demandé à être entendu par le bureau qui doit statuer sur son sort. Mais la première décision que les sénateurs prendront sera de ne pas le recevoir. On aurait peut-être pu être saisi d'une demande de levée d'immunité parlementaire pendant la session. Ça aurait été plus simple. Le juge aurait fait ce qu'il aurait voulu. En l'entendant aussi tard, ils auraient donc pu donner l'impression de le juger. Malgré cette réserve de pure forme, le bureau dirigé par René Monory accéda à une très large majorité à la demande du juge. L'immunité de Maurice Arex est donc levée. Le sénateur du Var veut prendre la nouvelle du bon côté.
je suis super confiant, c'est pour ça que vous me voyez souriant, ça ne m'amuse pas, c'est vrai. Mais je suis confiant de mon bon droit, j'ai ma conscience pour moi, et je suis persuadé que cette affaire me donnera raison dans sa conclusion. Et d'autre part, j'estime que n'ayant jamais encore été entendu sur le fond de cette affaire depuis des mois, je vais enfin pouvoir être entendu et avoir accès au dossier. Maurice Arex est retourné ce soir à Toulon. Le juge a désormais les mains libres pour toute action judiciaire contre le sénateur du Var. Le juge a l'intention de vous convoquer lundi, vous savez. Ah non, mais j'ai le bâtonnier qui va me le dire. Après le côté criminel de l'affaire Yann Pia, ce sont ses aspects financiers et de corruption qui vont enfin véritablement avancer. Et c'est le cas, l'attitude du Sénat va permettre aux magistrats de progresser dans l'enquête menée à grands pas sur les liens entre des élus locaux et des entreprises de travaux publics, liens mis à jour après l'assassinat de Yann Pia. Michel Fine. C'est une affaire de pot de vin presque banale, à l'occasion de l'attribution d'un marché public qui est à l'origine des ennuis de Maurice Arex. 1991, une filiale de la Compagnie Générale des Eaux, l'entreprise de bâtiment Campenon-Bernard, se voit attribuer par le Conseil Général du Var, dont le président est à l'époque Maurice Arex, la construction de cet immeuble, la Maison des Technologies à Toulon. En échange de l'attribution du marché, Maurice Arex aurait demandé au directeur de Campenon-Bernard un pot de vin d'1,5 million de francs. Une partie aurait été versée en liquide sur un compte à l'étranger. Voilà en tout cas l'histoire, telle qu'elle a été racontée aux policiers, puis aux juges, par un ancien bras droit de Maurice Arex, Guy Liotot. Autrefois chargé de mission au Conseil Général du Var, Guy Liotot avait servi d'intermédiaire dans cette transaction. Le 20 mai dernier, le juge d'instruction de Toulon l'a mis en examen, ainsi que le directeur de Campenon-Bernard, pour corruption. « Nous avons le corrupteur », disait à l'époque le procureur de Toulon, « il nous faut maintenant le corrompu ». Deux mois plus tard, le parquet demandait au Sénat une autorisation d'arrestation à l'encontre de Maurice Arex. Le docteur Garetta, condamné et détenu dans l'affaire du sang contaminé pour tromperie sur les qualités des produits délivrés aux hémophiles, a été mis en examen cette fois pour empoisonnement dans le même dossier. Question à Dominique Verdeillan, peut-on être jugé deux fois pour le même fait? Eh bien écoutez, ce soir, le docteur Michel Garetta a un statut un peu particulier. D'un côté, condamné pour un délit qui a été qualifié par certains de délit d'épicier, de l'autre, poursuivi pour un crime qui induit la notion de volonté de tuer et qui lui fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Une situation paradoxale qui découle de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin dernier qui parlait, je cite, « d'éléments consécutifs distincts et susceptibles de poursuites séparées ». Autrement dit, une porte ouverte sur un nouveau procès devant une cour d'assises pour empoisonnement. Un arrêt jugé contraire à la jurisprudence constante, celle de l'autorité de la chose jugée. Ce soir, l'Ordre des avocats de Paris proteste. On est en droit d'attendre que la justice ne cède pas à la pression populaire, estiment les avocats. Michel Garetta, lui, parle d'acharnement judiciaire. C'est une querelle de juristes qui sera tranchée dans plusieurs mois. Les hémophiles et les transfusés savent donc ce soir que la procédure risque d'être encore très très longue. Dominique, restez avec nous parce qu'on a besoin d'une autre explication. On dit ce soir que le docteur Garetta pourrait être placé sous mandat de dépôt. Il est pourtant déjà détenu. Oui, parce qu'en vertu des remises de peine, Michel Garetta est dans les semaines qui viennent libérable. Le mandat de dépôt n'a donc pas d'autre but que de maintenir en prison un homme condamné pour l'instant à 4 ans d'emprisonnement. Merci Dominique. La Coupe du monde de football est à peine terminée, qu'on pense déjà à la prochaine. Nous serons en première loge en 98. Elle aura lieu en France. Mais déjà une partie a commencé, moins spectaculaire qu'un match, mais autrement importante. Le concours d'architecture pour la construction du grand stade à 10 km à peine du cœur de Paris. Bouygues semble l'avoir emporté, mais l'arbitrage attendu du gouvernement suscite une polémique. Jean Pézieux, Frédéric Pasquette. Voici les deux lauréats du grand stade. Jean Nouvel à droite, à gauche, Michel Macari. Jean Nouvel est surtout connu pour l'Institut du Monde Arabe. Son grand stade est rectangulaire, très innovant paraît-il, mais le jury qui l'a mis en tête interdit de le montrer. C'est aussi le plus cher, plus de 2,5 milliards. Même secret pour le projet Macari-Zoublena, un stade, dit-on, en forme d'ellipse. Michel Macari est le co-auteur de l'aile Richelieu du Grand Louvre. Le grand stade sera construit sur cette friche de 30 hectares entre l'autoroute du Nord et le canal Saint-Denis. Voici l'un des projets finalistes, celui de l'équipe Archistudio Valo d'Épistre. Le plus grand toit du monde, 250 mètres de long, un vrai stade, mais aussi le pôle animateur du quartier, avec sa promenade, ses cafés en plein air, ses boutiques.
Plusieurs comités techniques l'avaient considéré comme le meilleur. Déception donc chez ses auteurs. Mais au fait, le concours a-t-il été loyal? Le mot loyal est difficile. Ça aurait été une compétition terrible. Le doute a gagné les architectes refusés, comme Claude Vasconi. Tous critiquent le choix final qui va se faire sur le montant de la subvention versée par l'État aux constructeurs, ce qui fausse le jeu de la concurrence. Claude Vasconi met donc en cause un concours où un constructeur, Bouygues, a présenté à lui seul 10 projets, dont un sous le couvert d'une filiale. Et ce sont deux de ces projets qui sont retenus aujourd'hui. Ça m'a toujours un peu étonné de voir que lorsque des entreprises font alliance en perspective d'un concours, dénoncent parallèlement l'alliance en faisant courir certaines de leurs filiales. Moi, je trouve ça contre nature. Cette polémique risque de compliquer la décision du gouvernement. Après le choix laborieux du site, voici un nouveau rebond dont le football se serait bien passé. Les soldats français de l'opération turquoise au Rwanda ont reçu la visite du premier d'entre eux, le chef d'état-major des armées. L'amiral Langsad a tenu à visiter le dispositif militaire mis en place par Paris et à voir de près le travail de ses soldats, si près qu'il en a été ému. L'armée française, a-t-il dit, fait le sale boulot, mais c'est tout à son honneur. Reportage de Philippe Gassot et André Issora. Au Moyen-Âge, ça devait être comme cela au moment des grandes épidémies. Des morts partout. Ils sont des milliers et si personne ne s'en préoccupe, il y en aura encore beaucoup d'autres, car les cadavres sont terriblement contagieux. Pour ce travail ingrat, sans gloire, des Français, notamment ceux du 511e régiment du train d'Auxonne. Pour cela, la relève est calculée par demi-journée et les permissions sont fréquentes. Mais comment oublier? Toutes ces vies perdues sont emmêlées. C'est une bananeraie qui leur servira de sépulture. Pour ne pas les oublier demain, les Français et leurs engins laisseront des tumulus bien apparents. Le respect dû aux morts n'est pas oublié, mais on évite de trop penser. Il faut le faire. Donc on se pose de moins en moins de questions. Puis on essaye de passer au-dessus, quoi. Absolument qu'on arrive à penser à autre chose. C'est pourtant cette bananeraie que le chef d'état-major des armées a choisi en tout premier pour sa tournée dans la région. Pas tout à fait un hasard, et à l'instant où l'amiral parlait du rôle ingrat joué par les soldats français, il avait certainement de la poussière qui lui a fait rougir les yeux. Ce sont les Français qui font le sale boulot, c'est leur honneur, c'est l'honneur de l'armée française. Elle a fait ça ailleurs, elle le fait ici, et elle le fera dans d'autres endroits. Je crois que nous sommes venus... Chacun le comprend aujourd'hui à des fins humanitaires. Nous remplissons cette tâche. Elle est très dure. Nos soldats étalent. Ce sont des professionnels. Ce sont des gens qui ont choisi ce métier. Mais ce sont aussi des hommes et ils portent ça. Moi, je ne peux que leur tirer mon chapeau. Le quotidien des hommes ici, c'est ça. Tous les jours, depuis des semaines. Il faut laver ses vêtements plusieurs fois pour en détacher l'odeur de mort. Les Rwandais qui aident sont souvent là depuis le début de l'opération turquoise. Ils sont payés et aussi soignés en cas de besoin. Ils font un véritable travail de damné. Depuis 3 jours, ce sont 10 000 corps qui ont été enterrés ici. Opération difficile, mais indispensable si l'on veut juguler la progression du choléra. À Kigali, la situation s'est normalisée, la situation politique après la victoire du FPR, mais d'un point de vue humain, tout reste à faire. Reportage de Dorothée Oliéric et Alain Saint. Il s'appelle Innocent. Ses parents ont pris le chemin du Zaïre pour fuir. Ils ne l'ont pas emmené. Orphelin de l'Exode, orphelin des massacres aussi, des dizaines ont été ramassés parmi les cadavres. Ils doivent la vie à quelques Rwandais qui ne voulaient pas croire que tous étaient morts. Aujourd'hui, ils sont 300 enfants dans cet orphelinat de Kigali. Des gosses sages, trop sages. Des gosses qui ont vu leurs parents, leurs frères et sœurs mourir sous leurs yeux. Des gosses qui ont entendu le bruit des bombes et qui ont vu les miliciens armés. Un homme ne les a jamais quittés. C'est Marc Vetter, un Français. Nous vous avons raconté son histoire, c'était il y a quelques semaines, au plus fort de la guerre. Marc n'a jamais voulu abandonner. Il est l'un des seuls Français à être resté à Kigali. Il était prêt à mourir avec les enfants. Nous sommes tous là, justement, solidaires, et on essaye de se parler, de se mobiliser. Et les enfants,
nous apporte justement ce réconfort et cette assurance que la vie, elle est là, elle continue. Pourtant, la vie n'est plus comme avant. Quand Marc Vetter est arrivé en octobre dernier, il est tombé amoureux de ce pays aux mille collines où les gens chantaient et où Hutu et Tutsi vivaient en harmonie. Aujourd'hui, il attend plus que n'importe qui le retour des réfugiés à Kigali. J'entends dire qu'il y a côté Goma des informations qui sont complètement erronées, telles que l'ASPR tue les enfants, tue les parents. Non, il n'y a pas du tout ça. Je pense que côté ex-gouvernement, eh bien, il faudrait qu'il y ait une information comme quoi vraiment la guerre est terminée. Maintenant, en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, je pense que le SPR a vraiment raison d'en appeler à un jugement. On imagine à quoi ces enfants ont échappé, mais on n'imagine pas, en voyant le sourire éclairer à nouveau le visage de ces gamins, combien la vie quotidienne est difficile. L'eau est rare, la nourriture pas assez abondante et l'hygiène très limite. Le combat de Marc, c'est encore un combat de tous les jours et parfois un sentiment de satisfaction. Ce que je voudrais dire, c'est que quelque part, au fond de mon cœur, je suis vraiment content d'être français. Parce que c'est le seul pays qui est intervenu dans ce pays qui a subi un génocide. Et l'intervention française nous a permis aussi de ne pas être massacré. Alors là, je souhaiterais m'expliquer, c'est que à un moment donné, l'ex-gouvernement était en manque de munitions. Et je pense que, vu la progression du SPR, eh bien, par vengeance, ou je ne sais pas par de quelle sorte, mais ils auraient pu venir tuer tous les enfants, tous les adultes dont ils pouvaient soupçonner leur appartenance. Marc était venu au Rwanda pour s'occuper des malades du sida. Et puis il y a eu la guerre, le génocide, l'exode, une histoire qui ne le quittera jamais. Tu t'interroges, hein ? Tu te demandes ce que je fais. Et pourtant, malgré ce témoignage, le nouveau Premier ministre du Rwanda souhaite le retrait à court terme des Français du Rwanda. Il l'a dit aujourd'hui à Kigali, à Dorothée O'Leary. Pour l'heure, vous êtes donc maître des trois quarts du territoire. Cette zone de sécurité française vous échappe. Est-ce que ça, vous êtes prêt à le supporter longtemps? Nous ne pouvons pas supporter ça. Et d'ailleurs, je suis très gêné quand on me dit qu'on contrôle les trois quarts du pays seulement. Nous contrôlons tout notre territoire. La France ne peut pas se prévaloir et dire qu'elle contrôle une partie du Rwanda. Cette partie n'est pas sous tutelle de la République française. C'est notre territoire. Et c'est pourquoi je dis que nous avons toute habileté et capacité d'y aller à n'importe quel moment que nous voulons. Nous n'avons pas des autorisations à demander à la France pour aller dans cette zone dite de sécurité. Oui, mais non armée. Les Français n'acceptent pas l'intrusion armée. Non armée, bien sûr. Nous n'avons, ne voudrions pas engager aucun combat militaire avec les Français. Pas du tout. Ce n'est pas notre volonté. Mais quand on nous dit que même les civils de ce gouvernement ne peuvent pas y aller, et là, on se pose des questions. Alors, est-ce que le 22 août, si la France est toujours là, vous demanderez à la France de partir? Bien entendu. Pourquoi pas? Qu'est-ce que nous craignons de demander à la France de partir? Pourquoi? Et s'il n'accepte pas? S'il n'accepte pas, c'est-à-dire qu'il nous déclare la guerre. Est-ce que la France est prête à nous déclarer la guerre de cette manière-là? Pourquoi est-ce que la France aurait plus pitié de mon peuple plus que moi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les troupes françaises puissent avoir plus pitié du peuple rwandais plus que moi. Je ne peux pas le faire. C'est pas normal. De toute façon, la France a l'intention, elle l'a confirmé, de retirer ses troupes avant la fin du mois d'août, mais elle sera relayée par la Grande-Bretagne, qui va envoyer 500 soldats, et par les États-Unis. Jean-Marc Hillouz nous appelle de Washington. Une base logistique à Kigali serait une mesure de bon sens, reconnaît William Perry, le secrétaire américain à la Défense. Il sera ce week-end au Zaïre, mais pas question de confirmer l'envoi de 2000 militaires américains dans la capitale rwandaise. La Maison-Blanche n'a guère apprécié cette fuite prématurée.
comme hier ici à Goma. Les spécialistes américains en mission de reconnaissance aujourd'hui même à Kigali devront d'abord donner leur feu vert technique. Deux objectifs principaux, la remise en état de l'aéroport de Kigali et l'installation de stations de relais où les réfugiés rentrant du Zaïre pourront trouver eau pure et aide médicale d'urgence. Des travaux lourds que les équipes du génie américain peuvent faire mieux et plus vite que quiconque. Mais toutes les conditions ne sont pas encore remplies pour le feu vert politique de la Maison-Blanche. Coordination diplomatique avec les nouvelles autorités rwandaises, coordination avec la France. François Léotard rencontrait ce matin William Perry au Pentagone. Coordination avec le Congrès surtout. Le coup de main américain sera strictement humanitaire, pas une opération de maintien de la paix, sous-entendu comme en Somalie. Édouard Balladur pourra se faire une idée précise de la situation dramatique au Rwanda. Le Premier ministre a l'intention de se rendre dimanche à Goma. Il l'a confirmé au cours de sa tournée africaine. Jérôme Catala, Hervé Pozzo. Édouard Balladur poursuit son périple africain, comme si de rien n'était. Et pourtant, organisée depuis 2 mois, cette visite officielle ne devait avoir qu'un objet, rassurer les pays de la zone franc après la dévaluation du franc CFA. Mais voilà, depuis, il y a eu l'opération turquoise, d'abord critiquée. Aujourd'hui, le Premier ministre ne voudrait pas que l'action de la France soit reléguée au second plan par celle d'autres pays, comme les États-Unis. Le premier objectif, c'est de rendre hommage à nos armées. Le second, c'est de constater par moi-même la situation dans un certain nombre de camps de réfugiés et de voir dans quelle mesure nous pouvons faire davantage encore que ce que nous faisons. La France est le pays au monde qui en fait le plus. Mais s'il faut en faire encore un petit peu plus pour éviter que la situation ne s'aggrave, ce sera décidé. En se rendant dimanche auprès des forces françaises de l'opération turquoise, Édouard Balladur veut donc rappeler que la France a été la première à intervenir au Rwanda. Il veut également marquer son irritation. Quelques jours après l'arrivée massive des Américains, un dispositif jugé par lui trop voyant. Le feuilleton Berlusconi occupe désormais toute l'Italie. L'acteur du jour, c'est le frère Paolo, attendu aujourd'hui par les magistrats qui souhaitaient l'entendre sur une affaire de corruption, mais en vain. Frédéric Crota est à Rome. C'est dans ce bâtiment pur style mussolinien que s'organise la lutte anticorruption. C'est d'ici que partent, dans tout le pays, enquêtes, mandats d'arrêt, avis de recherche. Une journée pleine de promesses, l'attente d'un rebondissement. Ces images de Berlusconi, Paolo, ont été tournées il y a 3 mois. Depuis, plus rien. Il reste introuvable, mais ses avocats l'ont promis, aujourd'hui, il sera là. L'image du frère du Premier ministre fera certainement monter l'audience dans les journaux télévisés. Les fausses alertes de ce genre, la canicule, ne décourage pas les journalistes. Toujours aucun signe de Paolo Berlusconi, un homme qui semble-t-il a toujours vécu dans l'ombre de son frère. Je dirais que Paolo Berlusconi, c'est le petit frère de Silvio. Et il est une personne qui vit à l'ombre de son frère. On peut dire qu'il fait presque tout que son frère lui demande de faire. Au moins, on a cette impression. Le juge Di Pietro n'a finalement rien vu venir. De deux choses l'une, où les avocats de Paolo Berlusconi n'ont toujours pas trouvé d'accord quant aux modalités de l'interrogatoire avec le juge Di Pietro, ou alors Paolo Berlusconi a d'ores et déjà choisi de se soustraire à la justice. Ce soir, il sait qu'il risque gros. Mort d'un photographe, Kevin Carter, sud-africain, prix Pulitzer 94, avait 33 ans. Il a été découvert inanimé dans sa voiture. Les policiers pensent à un suicide. Il avait obtenu ce prix pour un cliché devenu tristement célèbre. L'enfant et le vautour, l'enfant somalien mourant de faim et le vautour attendant. 9 alpinistes ont disparu dans le massif du Mont-Blanc au-dessus de Chamonix. Les recherches entamées par les gendarmes sont difficiles et même dangereuses. Le glacier qui se trouve à proximité est en effet instable. Serge Mondor, Philippe Fivet. Ce sont ces énormes blocs de glace des Serras qui se sont effondrés sur 3 cordées distinctes d'alpinistes, l'une de 2 personnes, l'autre de 3, et enfin la dernière composée de 4 militaires italiens d'une école de haute montagne, des alpinistes aguerris. Tous descendaient vraisemblablement du Mont Blanc. L'accident s'est produit à 3500 mètres d'altitude sur cette partie glaciaire du nom de Petit Plateau. 9 personnes ont été ensevelies, 2 ont pu être rapidement dégagées par le peloton de gendarmerie de haute montagne et sont sains et saufs, mais 7 autres alpinistes sont encore à l'heure actuelle prisonniers de cette masse de glace, un accident imprévisible. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est totalement imprévisible, c'est vraiment un... Ça fait partie des dangers objectifs de la montagne.
Là, au printemps, il y a sur ce passage-là, parfois, il y a 100 personnes au même endroit. Il aurait pu y avoir 50 morts d'un coup. Enfin, 50 disparus ou je ne sais pas quoi. Il est encore trop tôt pour expliquer cette tragédie. Certains parlent du mouvement du glacier des Bossons. D'autres indiquent que la météo d'hier annonçait un temps radieux pour aujourd'hui. Alors, de nombreux alpinistes ont pris la route. Mais aux alentours de 5h30 du matin, un violent orage a éclaté qui est peut-être à l'origine de la déstabilisation du manteau neigeux et de cette avalanche de sérac. La montagne, une nouvelle fois, a rappelé qu'elle était dangereuse. Donc, soyez très prudents si vous êtes en montagne et pas seulement en montagne. Laurent Romeschko annoncera tout à l'heure des orages pour demain. Sachez qu'un homme a été foudroyé aujourd'hui dans le Cher et 14 touristes hollandais ont dû être secourus près de Castellane. Les boulons ont de nouveau volé au-dessus des vagues. Un chalutier français a eu droit à une pluie de ses projectiles en voulant forcer à Hendaye le blocus imposé depuis 3 jours par les pêcheurs espagnols. Sandrine Corinne, c'est le nom de ce bateau français, est passé malgré les boulons, mais le blocus continue. Claude Samper et Dominique Bonnet ont filmé la bataille. En tête, le Sandrine Corinne, un bateau de pêche français qui tente de franchir le blocus des marins espagnols dans le port d'Hendaye. À ses côtés, une vedette des affaires maritimes. Dans les petites barques, des marins espagnols qui lancent des boulons. Sur la jetée voisine, les marins français répondent à leur manière. L'affrontement est bref, 10h15, le bateau français s'éloigne au large pour 5 jours de pêche. À l'aube, les 4 marins du Sandrine Corinne sont arrivés sur leur navire, bien déterminés à partir en mer. Un jeune capitaine avec un bon sens de l'humour. Les eaux espagnoles. Vous avez le sourire, mais dans 2 minutes, ça risque d'être moins drôle, non? Comment? Vous avez le sourire, mais ça risque d'être moins drôle dans quelques minutes, non? Ouais, bon, enfin, ces bateaux en bois, hein, nous c'est du fer qu'il y a devant, hein. On va quand même pas se dégonfler, non? Cassez pas la tête. Alors, on la glace. Et attrape ça. Hein? Attrape ça. 9h30, la vedette des affaires maritimes est là, prête pour l'escorte. C'est l'heure des derniers conseils. Ça sort, hein? S'il y en a un qui veut te barrer, hein, plein gaz, hein, tant pis pour sa gueule, hein, ça. Pas de problème. Oui, oui. On va faire voir si on est chez nous ou si ils sont chez eux. Au barrage, les Espagnols ont compris. Ils sautent dans leur barque, mais c'est trop tard. Sur la berge, les pêcheurs français paradent, le ton est toujours aussi aimable. Un filet dérivant que l'on distingue à peine à la surface de l'eau, c'est la nouvelle arme qu'ont décidé d'employer ce soir les Espagnols pour renforcer leur blocus dans le port d'Hendaye. Des Espagnols qui pour le moment sont suspendus au résultat de la réunion de Madrid, une réunion importante qui devra décider la poursuite ou non du blocus. Gare au cliché, le sud de la France, ce n'est pas que les affaires, il y a une autre actualité parfois poétique. Alban Micosi et Didier Beaumont vont nous raconter l'histoire d'un village qui s'appelle Le Prat, qui compte 15 habitants, qui vit depuis toujours sans électricité, qui ne se porte pas plus mal. EDF leur donnera la nuit prochaine ce qui leur a toujours manqué, la lumière artificielle, mais ils resteront très attachés à la lumière naturelle. C'est l'histoire belle et triste à la fois d'un hameau oublié des Alpes du Sud. Belle comme la lumière sur la montagne et belle comme cette nouvelle que les 15 habitants attendaient depuis toujours. Demain matin, le Prat sera relié à Électricité de France. La famille Grenier vit ici à 1700 mètres d'altitude. Il y a le père, la mère et les 4 garçons. Aujourd'hui, c'est jeudi, jour de lessive. Quand le linge est sale, on la met où ? À Saint-Étienne de Tinée. Et pourquoi ? Parce que ici nous n'avons pas l'électricité et alors nous n'avons pas de machine à la laver. Saint-Étienne de Tinée, c'est le bourg, à 10 km d'ici. La famille s'y rend souvent. L'histoire est donc belle mais triste aussi. Depuis 24 ans, par arrêté préfectoral, le hameau est déclaré dangereux. La rivière a déjà inondé une partie des maisons. Le village sera bientôt évacué et reconstruit juste au-dessus, à Bousseillas, où l'électricité nationale arrivera en principe lundi. Elle remplacera la production de la petite usine hydraulique
qui permet actuellement d'éclairer le village, même en plein jour. Le coût total de l'opération est fixé à 6 millions de francs payés par les collectivités locales. La nouvelle ligne est enterrée, les vieux câbles vont disparaître, rendant au paysage toute sa pureté. Il fera chaud ce soir à Bordeaux pour le premier match du championnat de France de football qui opposera les Girondins aux Niçois. Les autres rencontres auront lieu demain avec le début d'un long suspense. Les champions parisiens garderont-ils leur titre? Question à leurs yeux saugrenus. Évidemment, doivent-ils penser. Luis Fernandez est revenu. William Erigoyen, Jean Corneille. Il invective. Il rumine. Non, Luis Fernandez n'a rien perdu de son panache. Après avoir entraîné Kahn l'année dernière, l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France poursuit cette année sa tâche au Paris Saint-Germain. Fernandez, c'est beaucoup plus qu'un simple entraîneur, et ça tombe bien, car le PSG 1994, malgré ses bons résultats, veut surtout retrouver le plaisir de jouer. Le nouvel entraîneur semble, en tout cas, avoir trouvé la formule. La méthode Louis, c'est ça, c'est celle de regrouper, celle de communiquer, celle de gérer un groupe de, pas de 11, comme certains le font, de 20 joueurs, parce que j'ai 20 joueurs sous la main. C'est à moi de savoir faire passer un message qui est très simple, l'enthousiasme, le panache, la générosité et je crois que le plaisir avant tout. Tous les regards sont donc tournés vers le nouvel entraîneur. Demain, l'équipe se déplace au Havre pour son premier match de championnat. Mais d'ores et déjà, les joueurs semblent satisfaits des premiers contacts avec leur patron. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je crois que Louis a changé un petit peu la mentalité, je dirais pas du club, mais de l'entraînement, de tous les gens qui sont autour de nous. Je crois qu'il donne cette joie de vivre que ne laissait pas apparaître Arthur, malgré que je pense que c'était quelqu'un de très bien. L'objectif du PSG, le doublé championnat-coupe, et pourquoi pas un exploit dans l'aventure européenne. Alors oui, la méthode Fernandez aura vraiment fait ses preuves. Arthur Georges, le prédécesseur de Luis Fernandez. Laurent Frédéric Bollet a pensé à tous ceux qui sont en vacances, qui n'ont pas eu le temps de lire les gazettes. Il nous dit qui joue où. Une fois n'est pas coutume, le football français est resté sage. Trois transferts seulement retiennent l'attention. Strasbourg a acquis Franck Sauzet de retour d'Italie. À l'est du nouveau donc, Sauzet le canonnier qui devrait, il est là pour ça, frapper fort. Marseille en D2, Tapie n'est plus là, mais Sonny Anderson demeure. Le joueur brésilien a été le plus convoité de l'intersaison. Tous se souviennent de ses 16 buts inscrits en 20 matchs seulement. Pas besoin d'être aveugle pour deviner qu'Anderson a tout pour devenir le meilleur joueur du championnat. Finalement, pour 30 millions de francs, c'est Monaco qui s'offre les services du Brésilien. Du coup, les monégasques deviennent des vrais outsiders pour ce nouveau championnat. Mais attention, un Anderson peut en cacher un autre. Caen a recruté le Suédois Kenneth Anderson, un des héros de la Coupe du Monde. Un plus pour un club qui, comme tous les autres maintenant, surveille ses finances. Tous les présidents de club aujourd'hui sont fiers de leur bilan. Ils ont d'abord envie d'écarter tous ces soucis financiers et de parler de football. Je pense qu'on va vraiment revenir au football. La victoire vaut en tout cas maintenant 3 points. Prime à l'attaque, Bordeaux a des arguments. Dutuel et Prunier jouent désormais en Gironde. Bordeaux qui a aussi recruté Fournier, ex-PSG, et Bancaret de Toulouse, avec déjà Dugarry et Zidane. Voici une équipe qui promet. Enfin, le dernier grand, c'est Auxerre, mais qui se fait discret. 3 arrivées seulement, mais on peut faire confiance à Giroud pour se lancer férocement dans la bagarre contre le PSG. Et le pilote de Formule 1, Michael Schumacher, suspendu par les dirigeants pour ne pas avoir respecté le règlement et privé de 2 Grands Prix, a décidé de faire appel, ce qui lui permettra de participer dimanche au Grand Prix d'Allemagne, pour mon public, a-t-il dit. La page culturelle de ce journal, c'est le coup de foot de Gérard Dalmas et de Céline Remlinger pour une dame imposante par son maintien et par sa voix, Françoise Paulet. Cette soprano chaleureuse s'appelle Françoise Paulet, artiste française applaudie dans le monde entier. Françoise Paulet n'a jamais la langue de bois pour répondre aux journalistes. Spontanée, généreuse, elle a failli embrasser la carrière médicale, mais elle est tombée dans les bras du lyrique. Étude en Allemagne pour chanter en allemand, italien, français, et dès 83, montée des marches du succès avec récemment le titre d'artiste lyrique 93 aux Victoires de la musique classique. Françoise Paulet aime travailler les œuvres difficiles. Côté technique, le son, écoutez l'opinion du directeur artistique de cet enregistrement à l'Opéra de Massy-Palaiseau.
Elle a cette qualité passionnée, la voix est très large et elle a cette capacité très lyrique et très, très engagée, disons, dans la musique. Avant d'en arriver au bouquet de l'ovation, préparation intense du concert avec le chef de chant Monique Bouvet de l'Opéra de Paris. Françoise Paulet voit s'ouvrir les portes des plus grands théâtres du monde, mais elle souffre de voir que la qualité française n'est pas reconnue à sa juste valeur. Je pense qu'en France, on a plutôt tendance à d'abord aller chercher à l'extérieur et à compléter avec les artistes français. Il faudrait essayer, arriver à inverser la mentalité, à d'abord chercher chez nous et à compléter avec ce qu'il y a à l'extérieur. Tous les artistes, tous les théâtres, tous les opéras en Europe le font. Il y a beaucoup d'artistes français de niveau international en France. Et il faut tout simplement qu'on arrête de leur donner le qualificatif français. Françoise Paulet va de triomphe en triomphe dans les festivals de l'été, comme ici à Montpellier. C'est une vraie diva qui ne se prend pas pour une diva. Et la dernière image de ce journal sera écolo. Elle est envoyée par l'Afrique du Sud. C'est la libération de 2000 pingouins qui ont été abîmés par les hommes, marée noire, des hommes qui polluent, et qui ont été sauvés par les hommes qui soignent. 2 mois de soins qui leur permettent aujourd'hui de retrouver le goût de l'eau et de la vie. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, Laurent Romeschko pour la météo et les orages. Attention pour demain. Ensuite, le point sur les départs et les retours avec Valérie Maurice. À 20h50, Patrick Chen et Nathalie Simon vous présenteront les trésors du monde, du Mont Saint-Michel. 22h20, le polar. Ensuite, les infos de Jean-Claude Alanic à minuit. Demain matin, 7h50, Daniel Dugout recevra Pierre Moscovici, député socialiste européen. 13h, Daniel Bilalian. Je vous retrouve demain soir à 20h. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.